au dialogue de sourds entre Washington et Moscou. Hier, le chef de la diplomatie américaine a présenté le scénario catastrophe d'une attaque imminente en Ukraine, des accusations balayées par le Kremlin. L'Américain Anthony Blinken doit rencontrer son homologue russe la semaine prochaine. Un regard de tension qui perturbe le calendrier de la campagne électorale chez nous euh, en France. Oui, à commencer par la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron prévue normalement la semaine prochaine, juste après la réunion de la majorité prévue lundi. Jacques Seret, la crise ukrainienne a bousculé les plans du président. Oui, en moins de 24 heures, le ton a radicalement changé dans la Macronie. La faute à l'évolution de la situation à la frontière ukrainienne. L'entourage d'Emmanuel Macron voulait croire dans les premiers signaux de désescalade envoyés par Moscou. Finalement, les dernières remontées d'informations indiquent qu'il n'en est rien. Il y a la crainte d'une attaque en début de semaine, confie un conseiller gouvernemental qui insiste, c'est ce que les services nous disent. Conséquence directe. La déclaration de candidature d'Emmanuel Macron prévue pour la semaine prochaine est mise en stand-by. En attendant d'en savoir plus, cette situation rebat complètement les cartes. On est suspendu à ce qui se joue là-bas, confirme un autre. Les affaires internationales viennent donc contrarier les ambitions nationales d'Emmanuel Macron. Et cela alors qu'en coulisses, ses soutiens piavent d'impatience. Lundi soir va se tenir au siège de la République En Marche un bureau exécutif élargi. De nombreux ministres seront là, mais aussi tous les chefs de parti de la majorité. François Bayrou ou encore Édouard Philippe, cette soirée se tiendra dans un esprit veillé d'armes, prévoit un acteur de la campagne, une campagne qui souffle le chaud et le froid du côté d'Emmanuel Macron. On n'en peut plus, sourit nerveusement un ministre. Je...